se retrouve aujourd'hui pour la Look Hero. On y va, c'est parti. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la box Look Hero. Vous avez vu mes déboires avec la Click & Fit ces derniers temps, c'était une catastrophe. Et écoutez, moi j'ai décidé de continuer Look Hero et d'arrêter Click & Fit, je pense que vous l'avez compris. J'ai reçu ma Look Hero de ce mois, parce que j'en prends une à peu près tous les mois. Et écoutez, on va regarder ensemble ce qui se cache dedans. En attendant, la robe que je porte aujourd'hui, c'est une petite robe en jean comme ça. J'avais eu dans la dernière Look Hero, je ne l'ai pas mis aujourd'hui parce que je tourne la Look Hero, je l'ai mis parce que j'en avais envie. Et voilà, elle est super sympa, franchement, vous voyez, je l'ai coordonnée comme ça, j'ai mis des petites sandales et tout, et j'aime bien le look. Donc, on va regarder ce qui se cache dans la boîte. D'ailleurs, il n'y a plus le... vous savez, le petit élastique, là. Il a disparu. Donc, qu'est-ce qui se cache dans cette boîte? Allez, c'est parti, mon kiki, on ouvre. Attendez, je vais vous tourner un poil. Hop, allez. Alors, on a toujours la petite enveloppe avec les papiers à l'intérieur, la facture, les machins, les planches de style et le mot de la styliste. Alors, oh, je vois des fleurs. Regardez, je vous montre, je vois des fleurs. Ça m'a l'air sympa ce qu'il y a là-dedans. Oh, et la bouteille qui tombe. Je cherche son mot. Allez, c'est parti. Donc c'est Angèle qui m'a fait ma box cette fois-ci. Donc elle me dit « Bonjour Hélène, démarrons la saison estivale en rafraîchissant nos basiques, en testant des nouveautés, couleurs ou motifs et en continuant à oser. On est là pour ça après tout, n'est-ce pas? Let's go !» Alors, pour accompagner le soleil et ses températures, on mise sur l'indispensable veste en jean de chez Vero Moda. Ah, ça peut être intéressant. Frais et féminin, on ne boude pas son style mixé au top de chez Vero Moda et au jean de chez Karma Koma. Ouh, c'est intéressant tout ça. Vous avez le match parfait pour un look casual. L'été qui se profile m'a donné envie de vous proposer l'audacieuse robe à motif print de chez Nougat. Véritable coup de cœur dans votre dressing. On peut la marier avec aux sandales de chez Nereva. Donc j'ai peut-être des sandales là-dedans. C'est l'heure d'essayer. Je vous laisse me faire vos retours les plus sincères. Ils aident grandement notre collaboration. Je ne suis pas en collaboration avec Click & Fit, avec Look Hero, je tiens à le rappeler. À très vite, sous le soleil, Angèle. Je ne sais pas pourquoi Angèle utilise collaboration, mais je paye mes box moi-même. Hein. Je ne suis absolument pas payée par Look Hero. Donc, allez, c'est parti mon kiki. On regarde ce qui se cache là-dedans. Bon, j'ai pas de cintre, on va faire comme ça. Ah si, j'en ai un là-bas, attendez, j'arrive. À première vue, je pense que c'est la petite robe. Oui, c'est la petite robe de chez Nougat que j'ai eue en taille 3. Elle est mignonne, c'est une petite robe droite à première vue. Alors les robes droites et moi on n'est pas très très copains, mais on va voir ce que ça donne portée, si au niveau de la taille ça passe ou pas. Donc c'est une petite robe comme ça, elle est très jolie, le motif est très beau, c'est moutarde avec du rose, du kaki un petit peu, il y a un petit volant là, on a un col en V à l'avant et elle est droite avec une ceinture, voilà. Je pense qu'elle arrive au niveau des genoux. On va essayer, on verra bien ce que ça donne. Mais comme ça elle me plaît bien. Je trouve qu'elle a un beau petit style et que c'est plutôt sympa. Alors chez Nougat, est-ce que j'ai un truc à vous donner? Je vous montre le code. Hop, qui est ici. Voilà. Bon bah écoutez, on passe à l'essayage. La petite robe, la petite robe, elle a un très joli tombé. Elle est très jolie. Mais malheureusement, je sais que je ne la porterai pas parce que j'aurai toujours l'impression qu'on voit mon petit bourrelet de fond de ventre là. Et ouais, je sais pas. En niveau taille, on est bien. Bon là, j'ai mis la ceinture, mais je vous montre, j'ai encore de l'espace et tout. Mais je sais pas si j'oserais porter ce style de robe. Après, elle tombe sous le genou, donc on est plutôt pas mal. Voilà, on est bien dedans. Hein. Franchement, elle n'est pas transparente ni quoi que ce soit. En plus, j'ai un soutien-gorge noir, donc ça n'a pas l'air de se voir plus que ça. Non, c'est joli. Franchement, c'est joli. Ouais, c'est joli quand même. Hein. C'est joli quand même, mais je sais que je la porterai pas. Donc ça, je vais pas garder. C'est la veste en jean et c'est une veste en jean bleu marine. J'ai pas du tout. Alors j'ai des vestes en jean de toutes couleurs, mais du bleu marine, j'en ai pas. Donc c'est une petite veste en jean qui se présente comme ça. Donc c'est vraiment une veste en jean classique. Elle a pas l'air très longue, donc ça c'est cool. C'est de la marque Vero Moda. C'est une taille 48. Et ouais, elle est jolie, franchement, elle est sympa. C'est vraiment un classique. Un classique d'une garde-robe, mais qui a l'air sympa. Au niveau du code, parce pour celles qui voudraient retrouver, c'est ce code-là. Ça, j'aime bien. Franchement, ça, j'ai pas en plus bleu marine comme ça. Et moi, je suis toujours embêtée parce que, comme je vous l'ai déjà dit, j'aime pas associer deux jeans de couleurs différentes dans une tenue. Et mon jean que je préfère n'est pas de la même couleur que ma veste en jean que je préfère. Donc, peut-être que celle-ci, ça peut être une bonne idée. À voir, à essayer. Mais écoutez, la veste en jean, c'est un gros coup de cœur. Elle est trop belle. Bon, après, la tenue comme ça, elle est jolie. Hein. Franchement...
La tenue est jolie, franchement ça pourrait être une tenue sympa, mais je trouve que c'est pas moi. Voilà, la veste franchement elle est hyper sympa, elle est pas trop longue comme j'aime bien pour porter sur les robes, je trouve ça hyper classe. Elle est jolie, la couleur me va bien en plus, c'est pas une couleur que j'ai comme je vous ai dit. Vous voyez, je remonte les manches comme toujours, comme je fais avec mes vestes en jean. J'aime beaucoup, en plus elle est hyper souple, donc ça c'est bien parce que vous pouvez la porter en journée, vous pouvez la laisser en journée, parce que par moments on a des vestes en jean, elles sont, vous savez, un peu raides, et les laisser constamment sur soi c'est compliqué, là on peut facilement le faire. Donc ouais, non, celle-ci j'aime beaucoup. Ça, je pense que je vais garder. Je suis sûre même que je vais garder parce que j'adore. Ensuite, un petit top. Donc ça doit être le top dont t'aimes parler pour assortir au jean. Attendez, qu'est-ce que je fais là? Hop, on va passer comme ça. Ce sera plus simple. Donc c'est un top. Un top. Ouh, c'est court ça. Ça, c'est très 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 court. C'est un top de la marque Vero Moda Curve. C'est une taille 48. Donc c'est un top. C'est en quoi ça comme matière? Alors, attendez, attendez. Je cherche une étiquette. C'est quelle matière? Hop hop hop, c'est du 55% viscose et 45% lin. Oui, c'est pour ça que je sentais qu'il y avait quelque chose. Donc il y a du lin dans cette petite chemise. Je vais vous montrer son code, parce que je crois que Vero Moda, on peut commander sur le site. Donc si ça vous intéresse, c'est ce code là. Voilà, c'est mignon comme tout en fait. C'est un petit... c'est manche courte comme un t-shirt. Et vous avez des boutons à l'avant qui sont des boutons en axe. C'est vraiment joli. Et voilà. Ben, c'est sympa, mais j'ai peur que ce soit court en fait pour moi porter. Après avoir peut-être porté en gilet avec un débardeur en dessous. Le petit top. Alors le petit top, ben, c'est ce que je pensais. Il est trop court. Voilà. Il est trop court et au final porter, c'est pas forcément moi. C'est un peu trop basique pour moi, je trouve, même si, ouais, je sais pas. Non, je suis pas fan, je vais pas garder parce que je suis pas fan, c'est pas moi. Voilà, tout simplement, c'est pas moi. Mais c'est joli, mais c'est pas moi. Alors, le jean, c'est un jean Onni Karmakoma, vous savez, mon amour pour les jeans Onni Karmakoma. C'est lequel, celui-ci? Alors, c'est une taille 48, donc normalement, c'est ce que je mets chez Onni. C'est le Caro Gusta Jean de Nîmes en bleu, que je ne connais pas chez eux. Donc, c'est ce code-là. Voilà, comme ça. Donc comment il se présente ce jean? Alors déjà il est bien extensible, donc ça c'est cool. Il est simple en fait. C'est le jean bleu basique, taille haute. Ouais, vraiment un basique. Vraiment un basique basique. C'est un 32 en longueur. Mais bon, ça je retrousse, moi je m'en fous. Mais c'est vraiment une taille haute hein, parce qu'il est vous voyez. Ouais, donc ça c'est cool. À voir porter ce qu'il va donner. Mais c'est sympa. Et j'espère qu'il va pas être grand non plus, parce que je sais qu'en ce moment... un peu compliqué à ce niveau là. Alors le jean, c'est un vrai taille haute, c'est un taille très très haute. Je vous dirais que ça monte un peu haut pour moi, j'aime pas quand ça vient, j'aime bien quand c'est là. En fait moi chez Onli, j'aime bien les tailles hautes mais pas les tailles extra hautes. Je sais pas si vous comprenez, ils ont plusieurs sortes de tailles. Je crois que moi c'est les tailles normales que j'aimais pas, les tailles hautes en fait, je crois que c'est ça. Sinon il monte bien, il englobe bien le fessier. Au niveau de la longueur là il est pas replié, donc il est bien long. Par ici il est replié. Ce que je n'aime pas trop non plus, c'est que l'intérieur du jean est noir, donc du coup quand on le replie ça fait noir et je suis pas fan. Il y a quasiment pas de poche, les poches elles sont vraiment toutes petites, elles arrêtent là. Vous voyez, les poches elles arrêtent là, vous voyez là j'ai mes mains complètement dans les poches. Donc je trouve ça un peu dommage, je trouve que les poches elles sont un peu petites. Et voilà, sinon il tombe bien, hein, je suis bien dedans, je suis pas serrée, je suis bien. Je suis bien, mais ouais, je suis... Non, je vais pas le garder non plus parce que je suis pas fan de la taille qui monte. Ensuite, la paire de sandales. Alors la petite... Oh, je vois des trucs qui m'intéressent, je vois des trucs qui m'ont l'air sympa. Ah, ils ont fait un nœud, attendez, j'enlève le nœud. Hop, 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 hop. Alors, petite paire de sandales. Ah, c'est du 38. Ben oui, c'est vrai que je leur ai pas dit ça. J'espère que ça va passer. Donc, c'est de la marque New Shoes. Je connais pas du tout cette marque. Ça m'a l'air... C'est Made in Espagne. C'est les belles shoes combi en camel. Elles sont belles, hein. Regardez, je vous montre quand même. Elles sont toutes mignonnes. J'aime beaucoup le... Ça a l'air d'être du cuir. Ouais, ça m'a l'air d'être du cuir. Vous avez une sangle dorée, une sangle marron et des sangles camel. Et tout le contour est en sangle marron. Vous avez une petite attache ici et la semelle est en liège. Vous voyez, c'est mignon, hein, franchement c'est mignon. Mais c'est vrai que je leur ai pas dit qu'en sandales je faisais du 39. Il va peut-être falloir que je leur signale qu'en chaussures normales je fais du 38 et qu'en sandales je fais du 39. Je vais voir, on va voir si ça passe ou pas, si c'est trop serré ou pas, ou si mon pied déborde. On verra bien.
Allez, moi je passe aux essayages et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Avec la facture. Alors, on commence par quoi? Karma Koma, le jean. Alors, Karma Koma, le jean, il est ici. Donc, c'est le Caro Gusta jean denim en 4XL 32 en bleu, 39,99€. Très bon prix pour l'engine only parce qu'ils tiennent très bien le coup et tout et tout. Mais comme je vous l'ai dit, ça je vais pas le garder parce qu'il a une taille trop haute. Donc voilà pourquoi je ne vais pas le garder. Voilà, ensuite Nereva Belle Shoes Combi Camel. Donc c'est les petites chaussures. Alors je ne vous les ai pas montré porter, mais clairement mon talon dépasse. Il n'y a pas grand chose comme dit pour que ça aille. Mais mon talon dépasse et j'aime pas, enfin j'aime pas l'effet quand le talon dépasse. En plus, vous savez, sur ce style de chaussure, il y a un petit rebord là et ça va me blesser. Donc ça, je vais pas les garder non plus, c'est dommage. 50,90€. Après, c'est du cuir, donc oui, c'est normal pour le prix. Mais je vais pas les garder non plus. Nougat, la petite robe. Nougat, la petite robe ici. Donc c'est la Sumdress Nougat en 4XL Fuchsia, 48,90€. Alors ça, il y en a certaines qui vont me dire si ça te va trop bien et tout, je le vois venir, mais non, je ne vais pas la garder parce que je ne suis pas encore prête à porter ce style de robe. Voilà. Ensuite, Vero Moda, donc ça doit être ouais, celle-ci, la veste en jean, donc c'est la VM Hot Jacket Color 4XL Seda Blue Dark, 29,99€. Alors là, clairement, si j'hésitais, j'hésite plus. Parce que 29,99€ pour une veste en jean comme ça, franchement, si vous en cherchez les filles, foncez sur Vero Moda, allez voir. Parce que celles-ci, elles sont géniales. Si je vous trouve un lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Franchement, celles-ci, elles sont hyper top. Et pour finir, le petit top en lin et viscose comme ceci. Donc c'est de la marque Vero Moda également. C'est le VM Jasmilo Shirt Curve 4XL C White, 26,99€. Je vais me pencher un petit peu sur la gamme Curve de Vero Moda parce que je trouve qu'ils ont des choses qui m'ont l'air assez sympathiques. Donc 26,99€. S'il avait été un peu plus long, j'aurais pu le garder. Mais là, c'est la longueur qui me fait dire que je vais le renvoyer. Donc voilà. Total de la box sans réduction, 196,77€, moins les 10€ de service de personal shopper qu'on paye quand on fait la box, moins les 25% de remise si je gardais tout, j'en avais pour 140,08€ dans cette box. En sachant que j'avais une robe, une veste, un pantalon, un t-shirt et des chaussures. Donc je trouve que ça va largement, mais comme je vous l'ai dit, là je ne vais garder que la veste en jean parce que c'est vraiment sur elle que j'ai le coup de cœur. Et j'ai décidé à partir de maintenant de ne pas garder les choses dont je ne suis pas certaine et de vraiment garder les coups de cœur. Donc pour moi, dans cette box, le coup de cœur, c'est clairement la veste en jean. Elle est vraiment belle, je l'aime beaucoup. Désolée pour le bruit du téléphone. Et bien sûr, pour envoyer vos articles, vous avez le petit pochon. Donc vous mettez tout ça dedans et vous déposez dans un point Mondial Relais, tout simplement. Donc voilà, vous savez tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi, je vous retrouve très bientôt dans d'autres vidéos. Je vous fais d'énormes bisous et n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Mouah.